Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanasena Mukha. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une viche qui sortent chaque semaine, tous les lundis, tous les jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakanasena Mukha et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une heure à peu près avec notre ami la Major Ilyalana. Bonjour Ilyalana, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Oui, je vais très bien, je vous remercie beaucoup. Et vous-même, tout va bien? Oui, je vais bien, merci beaucoup. Bon, et bien nous voici réunis à nouveau pour cette 50e, vous vous rendez compte, hein, c'est la moitié de 100, hein, c'est incroyable, hein, la 50e entrevue avec une Dviche, à l'occasion de laquelle eh bien, j'ai sélectionné, comme à mon habitude, un certain nombre de questions qui très certainement dépasseront les 60 minutes prévues. Hein. Je reviens sur ma question de temps parce que on finit toujours par faire un petit peu plus long, puis toujours plus long, puis voilà. Et quand le standard eh bien, finalement est plus long, ben, on fait plus long quand même. Enfin bref, donc. Mais c'est vrai qu'il nous arrive quand même pas mal de questions hein, qui j'aimerais bien pouvoir traiter avant que les circonstances ne fassent que ces vidéos podcasts cessent. Voilà, on approche quand même d'un temps particulièrement sensible. Il y a bien des chances que. Enfin bon, voilà, j'en dis pas plus. De toute façon, ça, ce sont les secrets de la Prakanasena Mukha. Voilà, bon, et eh bien vous êtes prête, Ilyalana, tant qu'à faire, autant commencer tout de suite, rentrer dans le vif du sujet. Oui, effectivement, c'est vrai que le moment est sensible. Oui, je suis prête, bien sûr, oui, sans souci. Je vous écoute, je suis tout attentive. Eh bien alors, on y va. Alors, en toute première question, je reprendrai la question de Michel posée, je ne sais plus dans quelle vidéo podcast récente. Je vous en redonne l'intitulé. Hein. Bonjour à vous deux, merci pour votre réponse, Ilyalana, à ma question de la vidéo précédente. Donc, bon, voilà, numéro 42 à l'époque. Ma question, cette fois-ci, est basique. Pourquoi seulement le français est-il véhiculé dans vos diffusions, blogs, vidéos, forums? Peut-être pas les audios. Et à l'archimagistère en général, est-ce une raison particulière? Merci pour votre travail à vous deux, particulièrement à Ilyalana. Et en l'occurrence, vous aviez répondu, enfin vous étiez esclaffé de rire en disant que Michel posait toujours, enfin reposait la même question qu'une vidéo nettement antérieure, la 12e il me semble, enfin de mémoire. Et bien finalement, pauvre Michel, il est allé revoir cette vidéo numéro je ne sais plus combien, et puis finalement, ben, il n'y avait pas la réponse dedans. Quand je vous ai demandé est-ce que vous êtes sûr, vous m'avez dit, qu'est-ce que vous m'avez dit? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Oui, je vous ai dit, bien sûr que je suis sûr, sinon je ne le dirais pas, mais je suis toujours sûr. Mais moi je ne regarde pas les vidéos podcast, hein. Moi je vois le planning de programmation, alors si c'est inscrit à la programmation et que vous ne programmez pas, moi j'en peux rien. Moi je me souviens très bien que dans le listing de programmation, c'était, ça renvoyait la vidéo numéro 12 il me semble. Donc voilà, hein. Bon après... Je vous dis, moi, je ne me souviens pas des vidéos que je regarde, parce que je les regarde pas, j'ai pas le temps, mais je me souviens des programmations, et c'était des stades de programmation, et je suis sûr qu'on l'a enregistré. Alors maintenant, où il est, ça, je sais pas du tout. Enfin bon. Mais je comprends son désappointement, hein. Je suis désolé, Michel, pour le coup, c'est vrai que, bon ben, on va y répondre, alors, hein, comme ça, ce sera plus simple. Hein. Ok, mais elle n'a rien à ajouter à ça. Ah ben non, pour le coup, j'ai rien à ajouter, vous pouvez y aller. Bon, d'accord. Vous pouvez y aller. Alors. Mais je me souviens avoir déjà répondu, mais il y a longtemps, cette question. Enfin bon, ça retombe sur nos pieds. Le fait est que, au niveau de la francophonie, nous intervenons, comme nous le faisons, comme vous en avez connaissance, par le biais d'un de ces vidéos podcast, par le biais du site internet de la Prakanasena Mukha, qui est traduisible automatiquement, mais qui est effectivement en français uniquement. Les forums sont en français également, enfin bref, mais ça c'est le panel d'expression que nous avons choisi pour la francophonie. Donc, globalement, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, les pays africains, francophones, etc. Et puis, bon, les gens qui parlent français. Mais nous faisons d'autres choses ailleurs. Ça, c'est une méthodologie qui a été taillée pour la francophonie. Nous faisons d'autres choses, nous avons d'autres démarches que nous organisons autrement, nous le présentons autrement aux gens, aux anglophones, aux germanophones, aux italophones, aux hispanophones. On peut continuer longtemps comme ça. Et en fait, chaque langage, disons, correspond à une action précise
de notre part, mais complètement différentes l'une de l'autre. Et si on me demande lesquelles, je ne suis pas autorisée à le révéler. Ne me demandez pas pourquoi, là, on vient de... Voilà, on m'a demandé, donc je fais. Voilà, donc, ce n'est qu'en français parce que ce que vous connaissez de nous, eh bien, est en français parce que ça a été taillé sur mesure pour la langue française, tout simplement. D'accord, c'est tout ? Ben oui, qu'est-ce que je dise de plus ? Ben vous auriez pu lui répondre ça la dernière fois quand il a posé la question, tout simplement. Au lieu de leur envoyer une vidéo hypothétique, enfin ouais. J'avais déjà répondu à la question, enfin, et puis c'est lui-même qui l'avait posé. Regardez le listing, vous verrez, vous trouverez sur la liste de programmation, la vidéo numéro 12, hein, je suis absolument certain de mon coup. Ah, j'ai vérifié, effectivement, hein, la question était inscrite. Hein, ah, mais, alors, vous voyez. Quand je dis que je me souviens, je suis sûr, c'est que je suis sûr. Hein. Bon, après, si vous ne programmez pas, je sais pas rien. Hein. Bon, enfin, bon, ça restera un mystère. Et puis, bon, voilà, en attendant, Michel, vous avez votre réponse. Ouais, tout simplement. Bon, allez, on passe à l'intervenant suivant, Stéphane. Bonjour, Stéphane. Ah oui, on a oublié de dire bonjour à Michel. Bonjour, Michel. Vous en êtes souvenu. bonjour Michel. Ah, vous voyez, n'empêche que vous ne lui avez pas dit bonjour non plus. Hein. Oh là là, vous avez marché la vache enragée aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a dit ? Non, non, mais bon, on me reprend et puis après on fait pareil. Alors non, hein, c'est. Hein, et puis quoi encore ? Allez, on y va. Alors donc, bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Pardon. Alors aujourd'hui, Stéphane nous pose la question suivante. Bonjour, vous avez dit, me semble-t-il, que la Terre n'est ni ronde ni plate. A-t-elle vraiment une forme ou n'est-ce qu'une représentation de notre mental collectif et qui n'a de limite et de forme que celle que nous lui donnons? Ah, c'est intéressant ça. Ah, quand même. Oui, hein. Moi, ce que je trouve extraordinaire, hein, c'est les gens qui posent des questions parce qu'ils en ignorent la réponse. Ils font une suggestion qui se trouve être la réponse, en fait. Très intuitif, mais les gens ne se font pas confiance. Les amis, les réponses sont en vous. Hein. Toutes les réponses sont en vous. Hein. C'est pour ça qu'existe la méditation. Vous appelez la réponse vient. Or, c'est peut-être plus agréable de l'entendre avec ma voix. Ceci dit, peut-être, peut-être. Mais quand même, prenez conscience que les réponses, elles sont en vous. Vous les connaissez, même si vous ne les mentalisez pas, elles sont accessibles. Hein. Donc oui, effectivement, c'est un peu ça. La Terre correspond à un modèle précis. C'est toujours pareil. Hein. Bon, je comprends. Au niveau scientifique, il y a quand même des gens qui se sont éloignés dans l'espace, les stations spatiales, des choses comme ça. Donc ils ont vu la Terre courbe. Ils l'ont vu. Ça me rappelle une mission relativement récente, je ne sais plus laquelle, où il y a une fille de l'équipage qui commente ce qu'elle voit, et qui dit, oh là, on voit que c'est une pizza qui a les plates à l'intérieur, hein, on la voit qu'elle est plate, regardez ça, regardez ces boules là, oh là, c'est fou ce que ça ressemble à une pizza. Bon ben voilà, donc effectivement, les gens qui sont, mais je suppose que si on avait inclus à l'équipage, ou si on avait envoyé que des platistes dans cette mission, ce que la NASA se gardera bien de faire, forcément. Mais admettons que ça se fasse. Mais les gens verraient le monde plat. Ils le verraient. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, oui, effectivement, il y a un petit peu de ça. C'est vrai que c'est une convention mentale. La forme, le concept de forme, c'est mental. Ce sont des interprétations mentales, tout ça. Ce qu'il y a derrière ce qui est interprété mentalement n'a rien à voir avec l'idée qu'on s'en fait. C'est là que vous touchez au but, effectivement, en disant eh bien, c'est quelque chose qui est une représentation du mental collectif. Et les limites, elles sont données par le vivant. C'est vrai que si vous allez sur la planète et puis que vous marchez devant vous pendant des milliers de kilomètres, vous finirez par revenir à votre point de départ. En théorie. En théorie, hein, c'est pas complètement certain que ce soit le cas, mine de rien. Et là, on n'expliquerait pas le phénomène. Mais toujours est-il que, oui, dans le principe, c'est exactement ce qui se passe. C'est comme avec l'univers. Hein. On voit une étoile, on lui court derrière, mais on la rejoint pas pour autant. Pourtant, l'univers est courbe. Et de toute façon, si on pouvait aller suffisamment loin, on finit par revenir à son point de départ. Le principe est toujours le même. Il y a ce phénomène de rotondité, de retour au point de départ, mais un cran plus haut. Quand on pense que quand on regarde dans une direction et qu'on voit un objet, cet objet-là, pour nous, a une réalité. Maintenant, vous vous déplacez de 5 mètres et vous regardez le même objet, de la même manière qu'avant, mais 5 mètres d'un autre côté. Bon, bah, vu
dû à votre déplacement, la vision des angles est légèrement différente, la perspective est différente. L'objet, bon, bah, vous le voyez toujours, hein. Bon, à moins que vous soyez, vous avez mis un écran entre l'objet et votre vue, mais admettons que non. Mais alors, même en voyant cet objet, que ce soit de gauche ou de droite, rendez-vous compte que sa réalité par rapport à votre réalité est différente. Ce n'est pas exactement le même objet. En fait, si, c'est le même objet, mais dans une autre réalité. Une simple déformation d'angle de vision, et vous voyez, vous percevez une autre réalité. Le mental, lui, il dit, bon, ben, c'est pareil, c'est idem, allez, on estampille, clac, c'est bon, c'est la même chose. D'un point de vue mental, bien entendu, d'un point de vue chimique, peut-être aussi, d'un point de vue des modèles scientifiques, aussi. Mais dans cette vaste réalité dans laquelle tous ces modèles scientifiques sont contenus, au-delà de ça, il y a d'autres réalités et tout s'interpénètre. Donc, évidemment, vous voyez le même objet, c'est la même réalité, mais il y existe une super réalité qui inclut toutes ces réalités différentes et qui les met en cohésion de manière à ce que, si vous regardez une chose sous un angle ou sous un autre, vous ne soyez pas perdu entre une réalité et une autre. Il y a une forme de cohésion dynamique qui se produit. Mais n'empêche que, d'une situation à l'autre, la réalité a changé. Ça, on l'aperçoit très bien quand on dit, si vous pensez à un problème sous un angle qui est insoluble, eh bien, c'est de penser sous un autre angle et la solution se présentera. La violence est conceptuelle, c'est plus facile de moduler ça. Mais ça part exactement du même principe. Voilà. Donc, effectivement, la Terre n'est ni ronde ni plate. Elle est telle qu'on la conçoit, et le jour où on la concevra autrement que par la simple limitation d'une forme géométrique en volume, eh bien, on se rapprochera de sa véritable nature. Mais ça, c'est à l'humanité de le découvrir, pas elle-même. Ça, c'est quand même franchement fascinant, hein, comme concept. C'est assez... et pourtant, la vastitude du monde... nous apprend que tout est en chacun et qu'effectivement la capacité de perception, de compréhension de tout un chacun créant un monde, des milliards de gens, eh bien crée un monde de diversité quasiment infinie. À partir de ces diversités, on peut créer un monde entièrement différent à partir d'un stade sans aucun rapport avec ce vers quoi on veut l'amener. Et c'est ce que l'Aprakandasenamuka est en train de faire avec la conscience collective de l'humanité actuellement. Ça, c'est fascinant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, effectivement. C'est exactement ce qui est en train de se faire. En fait, on est en train de... C'est comme si on faisait fleurir des miroirs dans l'esprit des gens, de manière à leur permettre de voir des parcelles du monde tel qu'ils ne l'ont jamais vu jusqu'à présent, et pouvoir ouvrir leurs yeux, je veux dire peut-être davantage leur troisième œil quelque part, de manière à ce qu'ils puissent être capables d'accéder à la réalité d'un monde complètement différent de celui dans lequel il a toujours vécu. Effectivement. Bon, c'est complexe, mais c'est fascinant. Enfin voilà Stéphane. Alors, deuxième question de sa part. L'Edwige sont-elles une émanation de l'absolu pour secourir les mondes ou possèdent-elles leur propre monde, dimension et certaines auraient été déplacées pour nous porter assistance? Si oui, pourriez-vous nous parler un peu de votre monde? Alors... Ah ben là, en plus, je veux pas paraître rabat-joie, hein, mais il faudrait revoir la vidéo numéro 39... 32, pardon, 32, numéro 32, où on parle de notre monde. Il en est question un peu, je vais pas revenir dessus. Ouais, vous dites ça, mais vous êtes sûr de votre coup, pour le coup? Parce que là, avec vous êtes vraiment sûr? Oui, je suis absolument sûr. J'ai regardé les vidéos, je me laisse... De celle qui va sortir aujourd'hui jusqu'à la 20e à peu près, histoire de me remettre un peu à jour. J'ai pu
J'ai eu le temps de faire quelque chose avec un baladeur sur les oreilles, j'ai récupéré la bande son et je me l'ai surpassé. Donc là, je les ai en mémoire. Effectivement, on parle du séjour d'Edwige dans la vidéo podcast numéro 32. Sûre et certaine. Alors, l'Edwige, une évasion absolue pour ce que les mondes, oui, pas au départ. Au départ, c'est devenu notre mission principale. Au départ, nous avions, enfin, pas nous vraiment, les premières nées parmi nous, hein, dont je ne fais pas partie. Mais les premières nées, les premières 100 milliards sont nées sur Terre et avaient pour mission de représenter une armée pour Gaïa et pour la planète en tant que telle. Et ensuite, au vu du nombre de problèmes et de situations problématiques qui se sont présentées, eh bien, le panel de nos attributions, c'est largement, très largement étoffé jusqu'à ce que, eh bien, il faille débarquer ici pour mettre un terme au pouvoir de l'ennemi, s'infiltrer et noyauter de l'intérieur. Et puis après, disons qu'il y a eu des tiches absolument partout. Et finalement, on s'est retrouvé à devoir réguler énormément de forces, rectifier des déséquilibres énergétiques un peu partout. Et puis voilà, c'est-à-dire qu'on a commencé, ça a commencé sur Terre. Et le problème s'est retrouvé être présent absolument partout, diffracté de manière différente. Donc chaque monde demande à ce que ce problème, les problèmes qui sont spécifiquement les siens et liés à l'ennemi, soient réglés de manière différente. Mais bon, voilà, c'est vrai que finalement, il nous a été confié la garde des conditions possibles d'évolution des humanités partout. Ici, en priorité, puisque ici, c'est déterminant. Ce qui se fait ici est répercuté de fait partout. Donc ça, on occupe ici la position la plus stratégique. Mais le fait de posséder notre propre dimension, non, pas vraiment, pas vraiment. On est partout. On est partout sur tous les plans, à tous les niveaux. Il y a des, je sais pas comment appeler ça, je veux dire des lieux dans des dimensions, sont pas des lieux, hein, sont pas forcément des dimensions non plus, mais enfin, disons que je suis bien obligé d'utiliser le vocabulaire à ma disposition. Mais ces jours, on va dire, nous ont été attribués pour que nous puissions avoir potentiellement un chez nous. Mais on y est extrêmement peu parce que on n'a pas le temps, tout simplement. On est tout le temps sur la brèche, pour une raison ou pour une autre, tout le temps. Dès qu'une mission est terminée, on en commence une autre. C'est du non-stop permanent. Donc voilà où on en est. Mais franchement, allez revoir la vidéo podcast numéro 32. Je vous promets, il en est question, je promis juré. J'attends votre commentaire sous cette vidéo-ci pour nous confirmer qu'effectivement la formation s'est trouvée. Hein, parce que, voilà. Mais les anges avaient leur dimension, les 14 plans angéliques. Qui leur était absolument spécifiquement propre. Ils n'avaient guère d'autorité que là. Nous avons autorité absolument partout, et il n'y a pas de particulièrement de plan de conscience qui nous soit dévolu plus qu'à d'autres, ou qui corresponde à notre nature. Je dirais que c'était l'ensemble de tous les plans subtils, sur toutes les architectures, enfin toutes les étagements, tous les étagements de l'architecture de l'ensemble du créé, sur les plans subtils. Aujourd'hui, ça inclut aussi les différents plans physiques, puisque nous sommes ici. Donc, voilà. Bon ben, voilà Stéphane. Alors, allez regarder la vidéo 32 et faites-nous retour si effectivement Ilana a bien raison. Dites-nous si une partie au moins de la réponse s'est trouvée. Enfin, puisque je vous dis qu'il y est, je le sais quand même. Je l'ai entendu. C'est bon. Ok. Oh, je remets pas en doute, hein, vous. Non, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Promis, Stéphane, ça y est, vidéo 32. Bon, ben voilà. Une vie, je piquais au vif. Mais même pour Michel, hein, selon ma base de référence, parce que, bon, le papier de programmation, c'est censé être ce qui va être programmé. Hein. Moi, je me souviens très bien de la question. Je sais que ça a été mis à la programmation pour la deuxième, hein, j'en suis sûre et certaine. Maintenant, si c'est fait autrement, ou s'il y a changement de programme, si on fait exploser le studio,
J'en sais rien, hein. C'est pas. C'est... Moi, je vous dis. Je vous donne le souvenir que j'en ai par rapport à la pièce officielle en rapport. Mais ce n'est pas une mise en cause de vos capacités, rassurez-vous. Hein. C'est vrai que ça peut y arriver. Il peut y avoir un couac. Hein. Il peut y avoir. Mais bon. Faut faire attention aux informations, hein, parce que c'est vrai qu'entre une chose et sa concrétisation, il peut y avoir une marge. Et ce petit détail-là peut faire la différence en cours de mission. Je vous rassure, j'ai pris ma leçon. Hein. Je ne laisserai plus passer. Je ferai moins confiance à ce que l'humanité a décidé de faire. Je ne passerai plus sans vérifier derrière. Voilà. Je suppose que cet épisode-là est censé mentionner quelque chose. Je vous dis, hein, j'ai pris ma leçon. Eh ben, nous le faisons tous, hein, à tous les niveaux. Allez, il y a une remarque de Stéphane encore. Bonjour, cher Major Iliana, cher intervieweur. Isidore, avec un sourire. Merci pour toutes vos réponses et votre temps précieux, concernant la vidéo numéro 45, pour ce qui est d'avoir été un peu dur avec moi, chère Iliana, vous êtes tout excusé, je ne me suis pas senti offensé du tout, j'ai même ri. Je vous envoie mes plus sincères remerciements et toute notre affection, ma famille et moi-même. Merci beaucoup Stéphane, c'est vraiment gentil à vous. C'est généreux à vous. Merci. Bon, vous avez l'air toute tristoune avec ça maintenant. Non, je ne suis pas tristoune, mais enfin c'est vrai que je ne me suis pas trompée. Ça peut arriver. Mais là, en l'occurrence, non, je ne me suis pas trompée. J'ai bien compris. Allez, c'est bon. Allez, intervenant suivant, qui est anonyme pour le coup. Commentaire sous vidéo. Ah oui, alors voilà. Effectivement. Alors, effectivement, il s'agit d'un commentaire sous la vidéo numéro 47. Alors, ce n'est pas une question qui a été envoyée par le formulaire, dédié donc aux questions imposées à Ludwig, mais un commentaire donc qui a été écrit sous la vidéo 47 concernant votre réponse. Alors je lis le commentaire. Très stupéfaite, comment pouvez-vous ne pas connaître ce qu'engendre la fraude du nom légal et son corollaire, le dol, et par cela récupérer ce que l'on nous doit, c'est-à-dire toutes les fiducies sur chaque être humain. J'ai tellement d'espoir en vous, s'il vous plaît, ne nous décevez pas. Ah oui, d'accord, je me souviens, oui, effectivement, oui, la fraude du nom légal. Vous savez, ça c'est un faux problème, hein, cette histoire de fraude du nom légal. Et c'est lié. C'est bon, je me suis un petit peu documenté parce que j'ai dit c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là. Mais en fait, c'est une manière de voir le problème sous un angle différent. Hein. Ça c'est un angle parmi des millions d'autres. Et nous, on s'occupe pas des angles, on s'occupe du problème. Hein, on ne s'occupe pas de l'angle sur lequel on le perçoit, mais du problème lui-même et des problèmes qu'il génère à son tour. Donc, la fraude du nom, oui, enfin, si vous voulez, hein. C'est vrai que c'est considéré comme la théorie la plus complotiste, donc la plus délirante, et c'est en lien avec la mise en esclavage de l'humanité, c'est-à-dire que l'acte de naissance serait en fait un titre de propriété qui serait conservé par les maîtres du monde et qui représenterait leur investissement sur l'unité de travail qui représente dans le monde la personne ainsi nommée et référencée, etc. Oui, mais franchement, que ce soit vrai ou que ce soit du délire, pas vraiment, parce qu'on sait très bien de quoi l'ennemi est capable et on sait jusqu'où il va. Bon, ça, on a plus besoin de preuves, hein. On en connaît plus à son sujet que n'importe lequel d'entre vous, ou tous réunis. Il y a énormément de choses que personne ne connaît les concernant et à la limite, il vaut mieux. Mais non, c'est une manière d'envisager un problème qui de toute façon est déjà réglé, donc je vois pas en quoi ça pourrait poser un problème. Hein. Alors le fait de ne pas vous décevoir, non, il y a aucune espèce de raison. Ce n'est pas un problème que nous allons négliger parce qu'on ne le voit pas ou parce qu'on n'y croit pas. C'est simplement, on aborde le problème de manière beaucoup plus globale et sous un autre angle que spécifiquement celui-là, qui représente une possibilité de prise de conscience par l'être humain, par rapport à sa condition, au regard des maîtres du monde, qui sont effectivement les maîtres et vous les esclaves. Enfin, c'est en tout cas comme ça que ça a été pensé et mis en application. Je suis absolument d'accord avec vous.
Voilà, donc, après, il s'agit aussi d'un problème de dette. C'est un peu le même style, puisque tout le monde a une dette envers tout le monde, même les dettes karmiques, quelque part, elles sont générées sur le principe de la dette. Tout est fondé sur le principe de la dette. Tu me dois quelque chose, tu me dois quelque chose. Ça, c'est l'ennemi à fond. Donc, voilà. Donc, de toute façon, tout ce qui peut représenter un élément alimentant cette logique-là est aujourd'hui défait sous contrôle. Donc, de toute façon, qu'on se rende compte, qu'on sache, qu'on se souvienne, ou qu'on oublie, ou qu'on ne voit pas où est le problème d'une pseudo ou réelle fraude du nom légal ou pas, tout ça sera changé, tout ça, tout ce qui fait référence à ce monde-là, précisément, avec tous ces détails-là, sous cette appellation, ou sous une autre appellation, quelle qu'elle soit, de toute façon, tout ça sera jeté au feu. Il n'en restera rien. Donc, rassurez-vous, tout va bien. Bon, et eh bien voilà. Alors, on reprend une nouvelle question de Stéphane dans un nouveau formulaire qui nous dit ceci. Bonjour, la station spatiale internationale qui est en orbite dans l'espace, donc, est-elle réelle? Où se trouve-t-elle vraiment? Et est-ce que les astronautes savent tout ou sont-ils victimes de programmation mentale? Je constate que Stéphane est très intéressé par l'espace. C'est pas la première fois qu'il nous parle de l'espace, de l'univers et tout ça. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, moi, je crois que Stéphane est un très très grand intuitif et qu'il ne mesure pas sa capacité de captation d'informations. Voilà. Parce qu'effectivement, la station spatiale internationale, alors elle existe, oui, il y a quelque chose qui est censé être ça dans l'espace, mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vous présente perpétuellement comme venant d'elle. Les astronautes qui s'y trouvent, les films qu'on voit, ça, tout ça, c'est du montage de studio. C'est Rock Soccer, c'est quelqu'un que j'aime bien, ça. Bon, il part un peu dans tous les sens en ce moment. Il y a une sœur à moi qui est collaboratrice chez lui. Mais bon, enfin bon. Il a mis en évidence les incohérences des films qui passaient, à savoir les astronautes soi-disant qui peuvent pas s'empêcher de faire les andouilles et qui tourner sur eux-mêmes, faire la pirouette, et puis qui se prend le bras dans le fil qu'on utilise au cinéma pour simuler la pesanteur, etc. Ou alors, en bas de la caméra, on voit un papillon qui traverse le cadre, le champ de la caméra, donc. Et on le voit très bien sur les films. Il peut pas y avoir de papillon qui rentre dans la station spatiale internationale. C'est pas possible. Voyez. Donc, il y a des éléments qui corroborent clairement le fait que ce n'est pas du tout ce qu'on vous dit. En plus de ça, les images qui sont censées être prises de la Terre, la station, je sais plus à quelle hauteur ils ont, enfin, à quelle altitude, la NASA a, estimer la position orbitale. Mais il est en fait absolument certain, c'est que les images que l'on voit sont censées être de la station spatiale internationale ne peuvent pas avoir été prises de cette altitude-là. C'est impossible. Donc, comme d'habitude, c'est 100% du montage, c'est prendre les gens pour les imbéciles, leur raconter n'importe quoi, ils font vivre le scénario, hein, en disant, ah, la station, là, l'IS a fait ci, a fait ça, prise de vue, calcul, découverte. En fait, c'est complètement, complètement du bidon, ça sert à toute autre chose, en fait, et c'est moins sympathique que ça en a l'air, comme d'habitude, évidemment. Voilà. Sans surprise, quasiment. Et on s'en serait douté, hein, comme d'habitude, comme vous dites. Alors Stéphane nous pose une deuxième question. Pourquoi mentent-ils tous sur l'espace? On est retourné dans l'espace. Jusqu'où l'homme est-il allé le plus loin réellement dans l'atmosphère, l'espace? Où vont les fusées qui décollent de la Terre? Y a-t-il des humains à l'intérieur? Bon. Alors. Ah, mais tout dépend du type de mission, hein, c'est toujours pareil. Est-ce que l'homme est allé sur la Lune? Alors, oui, mais pas comme ils le disent. Est-ce que l'homme est allé sur Mars? On vous dit que non, mais en fait si. De toute façon, si c'est pour lancer une navette, faire la réparation d'un satellite, tant on parlait du dôme la dernière fois, je crois que c'est Stéphane qui pose la question. Tant qu'on est en deçà
du champ d'énergie qui englobe la Terre, le vivant ne risque rien. Faut juste pas aller au-delà. Ils savent très bien à quelle distance exactement ça se trouve. Donc voilà. Et à partir du moment où il s'agissait, moi je parle de l'époque, hein, d'aller au-delà, eh bien, ils montaient le scénario en rapport et ils s'y retrouvaient via une porte. Si ce n'était pas complètement scénarisé. C'est-à-dire que toutes les missions Apollo ont été du flanc. Et tous les astronautes en rapport étaient parfaitement au courant de ça. Évidemment, ils ont juré le secret. Ils ont juré le secret. Ils savaient très bien que de toute façon, s'ils vendaient la mèche, ils se feraient exterminer. Leur famille avec, enfin bref, ça allait très loin quand même. Donc, ils avaient la célébrité, ils avaient les honneurs, ils avaient l'argent, ils avaient ce qu'ils voulaient, mais il fallait se taire. Mais c'est comme toujours, à la limite. Donc, bon, là c'est pareil. Alors, il y a tout ce qui est mission officielle et il y a tout ce qui est mission non officielle. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont payés à l'année pour monter les scénarios en rapport, pour que les choses soient crédibles par rapport à ce qu'on reçoit. Donc voilà, tout dépend de ce qui est fait, et c'est en général toujours fait de manière différente que ce qui est annoncé, pour des objectifs différents de ce qui est annoncé. Alors jusqu'où l'homme est-il allé? Ah ben, l'homme est allé quand même très loin. Vraiment, vraiment très loin, mais toujours via les portails dimensionnels, obligatoirement. Comme j'ai expliqué la dernière fois, je ne vais pas y revenir, hein, c'est le seul moyen véritablement de pouvoir s'y trouver, de pouvoir se déplacer, entre guillemets, alors qu'il n'y a pas de mouvement en l'occurrence, mais enfin, disons, pouvoir changer de lieu en parfaite sécurité, de façon parfaitement sûre, stable, etc. Si tant est que l'énergie du portail soit elle-même stable, hein, ce qui n'est pas toujours le cas avec le phénomène naturel. Il y a des moyens de l'induire artificiellement, ce que connaissait l'ennemi aussi, bien évidemment. Maintenant, il y a des engins qui sont capables de pouvoir créer eux-mêmes des portails à travers lesquels ils passent. Ce sont des portails éphémères, ils entrent des coordonnées, il y a un supercalculateur qui injecte l'énergie en rapport. Finalement, une fois qu'on a l'algorithme, ça va tout seul. Mais voilà, on peut pas faire autrement. Donc, et les gens sur Terre, les humains d'ici, qui sont allés très loin, ce ne sont pas des astronautes, sauf rarissime exception. Ce sont des gens comme David Rockefeller qui avait un portail chez lui à la maison. C'est d'ailleurs là qu'on l'a coincé. Les portails, tout ce qui est portail a été fermé, bouclé, donc plus personne ne peut emprunter quoi que ce soit, gardé par Edwige. Et en fait, on dit qu'il faut un temps zéro entre le moment où on passe, au moment où on quitte une dimension, où on arrive à une autre. À un moment zéro, effectivement. Mais ce zéro, ce n'est pas rien, c'est une valeur. Eh bien, les portails se sont fermés au moment exact où il était entre deux. Il n'est jamais ressorti. Donc il a cessé d'exister purement et simplement. Après, ils ont lancé les clones. C'est juste quelques jours après cet épisode-là, ils devaient, comme toujours, assister à une réunion de Bilderberg. Bon, il était là, hein, sans problème, hein. Mais quelqu'un a expliqué que, ah ben, il n'interviendrait pas, hein, monsieur Rockefeller est fatigué, il doit se reposer, puis il va prendre sa retraite après. Ben, voilà, donc il a juste fait. Le clone était là, il a fait acte de présence, histoire que personne n'ait conscience de ce qui s'était passé, et ensuite il s'est retiré, soi-disant, officiellement. Enfin, vous voyez, c'est quand même très très compliqué tout ça, mais de toute façon, il y a toujours. Toujours du faux avec la thèse officielle. Toujours. Nous n'avons jamais constaté une information officielle qui soit entièrement vraie. Elle est peut-être pas entièrement fausse, mais elle est certainement jamais entièrement vraie. Et ça en fait partie. Oui, c'est compulsif hein, chez l'ennemi, ça, c'est Oh, compulsif. Hein. clairement, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Hein. Ce sont des menteurs compulsifs. Il faut, ça fait partie. Ça fait partie de leur psychologie face à l'humanité. L'humanité, ce sont des animaux. Ça ne sert à rien de leur donner des choses de valeur. On leur donne n'importe quoi, ils s'en contentent, c'est très bien. Voilà, c'est plus ça. Mais ben, en tout cas, ce temps-là est terminé, c'est très bien également. Allez, intervenant suivant. Et dernier, a priori. Prakanva qui remercie infiniment la Major Ilyalana et le super présentateur et commentateur à l'humour exquis. Merci Prakanva, vous avez excellent goût. Oh là 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 là. Je suppose que quand vous dites qu'il a excellé l'argot, c'est parce qu'il parle de moi.
hein? Bah absolument, qui d'autre donc? Allez, Pragana nous demande donc ceci. La Belgique a connu les tueries du Brabant wallon dans les années 1980. Des bandes armées attaquaient des supermarchés en faisant de nombreux morts, sans motif précis. Pouvez-vous dire quelles sont les personnes qui étaient à la manœuvre derrière tout cela? Merci. Alors, c'était qui? Bon, c'était l'État belge. L'État belge, enfin pas vraiment l'État belge, mais ce qu'il y a derrière l'État belge, disons l'antenne Deep State belge, tout simplement. C'est comme le stade du Hesel qui s'est effondré, c'était un test pour voir ce que ça donnait in vivo avant de faire la même chose, je sais pas où, enfin bref. Non, non, ça c'est sous les officiels, hein. On est absolument certain de ça? Oui, on en est absolument certain. Effectivement, c'est bien, ce sont bien les officiels. Vous savez, un pays vaut ce qu'il vaut. N'empêche que chaque pays a son, sa police, ses services secrets, ses services des renseignements. C'est très compliqué. Quand ils veulent trouver quelque chose, ils le trouvent. Quand ils sont menacés, ils trouvent. Ils trouvent obligatoirement. D'autant plus que les États ont quand même accès à des technologies non officielles. Donc c'est quand même très facile. S'ils ne trouvent pas, c'est que ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas intérêt. Alors après, on leur a reproché, ça, pas forcément aux Belges, hein, à tous les pays, hein, qui manœuvrent, qui magouillent de cette manière-là. C'est quand même bizarre, tous les services de renseignement, tout ça, je ne pouvais jamais rien retrouver. Donc ils ont fini par retrouver. Hein, dans les affaires suivantes, ben, il balançait une carte d'identité, un passeport. Ouais, je vous laisse mes papiers. Le gars était mort, évidemment, ou pas, enfin, en général, oui. On retrouve ses papiers. Ah, ben, c'est lui, c'est bon. Donc, en général, on retrouve les papiers d'abord et il meurt après. C'est pratique, il n'y a pas de question, pas de procès. C'est réglé, affaire classée. Donc, voilà, ça se passe toujours, comme ça, toujours, toujours. Le tireur d'arc dit souvent, et en fait, les Tiches l'ont constaté également, donc ils ont repris ce constat finalement, c'est que si l'ennemi n'était pas là pour semer mort et chaos, il ne se passerait jamais rien, ou disons jamais de mauvaises choses, que des bonnes. Les malheurs du monde ne sont pas une fatalité. Aucun malheur dans le monde n'est une fatalité. Il ne s'agit que de la volonté de l'ennemi. Enfin, tant que l'ennemi était en place. Maintenant, on tire une ligne de projection par rapport à ce qu'il a fait en orientant ça différemment, donc pour arriver à obtenir de la part de l'humanité, je le répète, hein, mais c'est tellement important, le constat que toutes les références au passé qui sont civilisationnelles et qui remontent à aussi loin que l'on veut, tout ça représente quelque chose, des références à jeter au feu. Le monde qui vient sera entièrement différent, fondé sur des références différentes, avec des articulations différentes, un mode organisationnel différent. Et ce sera le jour et la nuit. Mais comme les gens ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ils sont absolument incapables d'admettre que ça puisse seulement exister, voire sorti d'un imaginaire délirant qui ne tiendrait pas la route 2 minutes. Alors qu'en fait, c'est ce monde qui tient pas la route. Il l'a tenu tout ce temps-là, mais en vampirisant les gens et en les faisant mourir pour ça. Donc, voilà. Si, on en est sûr, hein, on en est sûr. C'est quand même terrible. Les gens ne se rendent pas compte à quel point on les a baladés, baratinés. C'est quand même... Oh. Extraordinaire. Alors, Prakandva pose une dernière question de la vidéo podcast 46. Vous avez décrit votre remarquable capacité à pouvoir imiter une chanteuse dans les moindres détails. Pouvez-vous imiter n'importe qui ou particulièrement les personnes que vous aimez? Le mimétisme pour l'Edwige est-il un moyen d'apprentissage parmi beaucoup d'autres ou une pierre angulaire? Merci. Oui, je l'ai dit dans la vidéo rapport, hein, c'est un mode d'apprentissage. C'est vous qui disiez que nous apprenions par mimétisme et l'humain apprenait par acquisition cognitive, disons. Mais oui, c'est ça, en fait. Mais quand vous dites « j'imite une chanteuse », en fait, non, je chante comme elle, mais je ne l'imite pas, c'est pas de l'imitation. Elle ne chante pas, je sais pas comment dire,
je ne chante pas comme Elzio, je n'essaie pas. Un imitateur peut se faire potentiellement, s'il est vraiment très bon, il peut se passer pour quelqu'un en l'imitant. Moi, je ne l'imite pas, je n'imite pas sa voix. Je reproduis simplement sa manière de chanter que je trouve jolie. Voilà. Mais j'ai appris à chanter comme ça, en fonction d'elle. Maintenant, je pourrais chanter d'une autre manière si je me focalisais sur quelqu'un d'autre. Mais je ne l'imiterai pas pour autant. J'apprends de la personne. Ouais, la personne me sert de modèle pour faire moi-même à ma sauce. C'est pour ça que je dis toujours que les fiches apprennent par effet de mimétisme, effectivement, mais ensuite, en mettant leur touche personnelle, en optimisant, en maximisant, et finalement en faisant mieux que le modèle. Donc là, on est largement plus dans l'imitation. Effectivement, c'est une manière de faire qui est extrêmement pratique, parce que ça nous rend capable de faire absolument n'importe quoi à partir du moment où quelqu'un le fait. Bon, maintenant, on peut apprendre par nous-mêmes. On n'a pas forcément besoin d'un modèle, mais c'est quelque chose qui prend du temps, pour le coup, et on ne sait pas si on est bonne ou si on n'est pas. Donc, à partir du moment où on a un modèle, on sait que ce modèle est excellent, eh bien, ça nous donne la garantie qu'en trois fois rien de temps, on peut faire pareil. De la même manière, mais mieux. Voilà. Alors, une pierre angulaire, oui, quelque part, puisque on procède systématiquement comme ça. C'est quand même extrêmement pratique et c'est extrêmement rapide. Mais voilà. Donc, à partir du moment où quelque chose est à apprendre, on en fait l'expérience et on apprend de cette expérience également. C'est-à-dire qu'il y a double apprentissage, quelque part on apprend et on apprend du résultat de ce qu'on a appris et de la conséquence que ça peut en avoir. Et ensuite, on se transmet l'information. Donc, ce qu'une Edwige est capable d'apprendre, elle peut transmettre cette information à une autre Edwige qui, elle, n'aura pas besoin de l'apprendre, elle l'aura acquis immédiatement. Il faudra quand même qu'elle en fasse l'expérience pour être vraiment de la maîtrise. Ça arrive très vite. Il suffit qu'on ait une sœur qui soit vraiment, vraiment dans la maîtrise du mimétisme, un cran vraiment au-dessus, et ensuite, elle peut donner tous les détails à toutes celles qui en ont besoin, qui finalement pourront reproduire ça. Elle se fait un peu le jeu d'un modèle intermédiaire. Elle prend pour modèle, elle devient la référence et toutes les filles prennent le modèle sur elle. En fait, voilà, c'est un peu comme ça. Ouais, ça c'est quand même quelque chose. Hein. C'est vrai que le coup de l'hélicoptère, apprendre à piloter un hélicoptère, c'est quand même pas facile. Hein. Simplement en regardant quelqu'un faire dans tous les cas de figure possibles, et hop, savoir reproduire ça, c'est quand même quelque chose. Oui, mais heureusement, on est obligé de faire comme ça. Heureusement qu'on a cette faculté-là, bon, c'est pas un hasard. Hein. Mais il nous a fallu tout apprendre du plan physique. C'est très différent de chez nous. Hein. On n'avait pas beaucoup de temps pour observer, reproduire, observer dans les détails, reproduire dans les petits menus détails, dans tous les secteurs possibles et imaginables. Il fallut qu'on s'insère partout et qu'on soit excellente, meilleure que tout le monde partout pour avoir le dessus partout. Je vous garantis que s'il avait fallu prendre des cours pour chacune de ces disciplines qui constituent l'ensemble de la Pacomacenamuca, enfin, sur Terre, la division terrestre, on n'aurait pas encore fini notre première année de cours. Hein. Ah non, on ne pouvait pas faire autrement. Là, c'est vraiment, ça nous permet d'avoir la parfaite maîtrise de n'importe quelle situation en un temps record. Ah, le talent d'Edwige. Il ne s'agit que de leur talent, il y a encore tout le reste. Eh bien voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette 50e vidéo podcast qui, ben, je l'espère, vous a plu. Et si c'est le cas, je vous remercie de bien vouloir la liker et la partager afin que d'autres puissent en prendre connaissance aussi et les apprécier tout autant que vous. Que vous puissiez éventuellement même en discuter entre vous, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa. Les commentaires sont modérés mais ouverts, hein, comme d'habitude, donc laissez-y vos remarques si vous le souhaitez, ça nous fera plaisir. Et puis, voyez comme là, une question a été posée. Suite à une réponse qui a interpellé, eh bien, on peut, pourquoi pas, l'intégrer au programme et puis la diffuser ensuite. Voilà. Donc, si vous avez des questions, en l'occurrence, à poser à Prakana Selamoka ou à Iliana personnellement, eh bien, je vous donne rendez-vous à l'adresse habituelle amgt.link/questionsodvish afin de nous les transmettre. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages, des questions à poser,
Eh bien, vous pouvez vous rendre soit sur le forum de la Prakanda Senamuka à l'adresse forum.prakanda.org ou sur le portail des contacts pour ouvrir un ticket et avoir une réponse en aparté à l'adresse contact.prakanda.org. Voilà, je vous remercie, Iliana, pour votre présence, tout ce qui fait vos qualités inimitables. J'espère que je ne vous ai pas froissé avec l'histoire de la vidéo de Michel. Je suis vraiment désolé si je vous ai, si je vous ai peiné, excusez-moi. Non, oh, vous êtes gentil. Non, ça va. Mais non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que... Je comprends où le problème s'est posé. En fait, j'ai fait confiance à une grille de programmation en me disant, c'est programmé, donc obligatoirement ça sort. Et ben non, pas forcément. Mais je suis contente, ça m'a appris quelque chose. C'était certainement pas pour rien, ce n'était pas un hasard. On apprend toujours, de toute façon, à tout moment, à tous les niveaux. Donc, merci à Michel et merci à vous de m'avoir permis d'apprendre un peu plus. Voilà, il n'y a pas de mal, ne vous inquiétez pas. Eh bien, merci à vous pour votre indulgence. Les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous à jeudi. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions. C'est vrai qu'on nous écrit beaucoup en ce moment, mais enfin, c'est bien. Profitez-en, ça ne durera pas éternellement. En tout cas, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres, chérissez-vous les uns les autres. Faites déjà naître dans votre cœur un monde meilleur et vous verrez, le passage se fera tout seul vers le suivant. Allez, Iliana, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous donne rendez-vous à jeudi, si vous voulez bien. Avec grand plaisir pour la prochaine, je serai au rendez-vous, à l'évidence. Merci à vous et à tous. Allez, on fait comme ça, allez, ciao ciao les amis.